Avant, ce petit lagon qui fait 26 km de long sur 8 de large était couvert de bouées de collectage. On y produisait des naissins destinés à être exportés dans toute la Polynésie pour la perliculture et on y récoltait des perles de très belle qualité jusqu'à l'apparition d'une algue tueuse. On l'appelle le Waitia. Il apparaît chaque année pendant la saison chaude. Et c'est un problème récurrent. Mais pendant la saison fraîche, ce même Waitia est disparu. Mais l'année dernière, bon, je dirais même il y a 2 ans, il faisait tellement chaud que le Waitia s'est propagé et à telle enseigne que tout le lagon est rempli de cette algue microscopique. Il faut savoir que c'est un organisme vivant, donc ce qui veut dire qu'il consomme de l'oxygène et qu'il consomme du phytoplancton. Et le lagon de Takaroa est un lagon très petit, ce qui fait en sorte qu'il y a une insuffisance de nourriture pour que les autres nacres survivent. Aujourd'hui, tous les gros perliculteurs ont déserté Takaroa. Il ne reste plus que des petites exploitations familiales. Celle de Onotiga a baissé sa production de 50%. Conséquence, la moitié du personnel a été licencié et aucune nacre n'a été greffée depuis 8 mois. Et quand on évoque l'hypothèse d'une surexploitation du lagon qui pourrait expliquer le problème de la mort des huîtres, il n'est pas d'accord. Je sais qu'on a toujours travaillé intelligemment, je veux dire. On jetait des stations juste pour travailler. Et puis, s'il y a une surproduction, bon, peut-être, hein, mais bon, maintenant, on ne peut pas parler de surproduction parce qu'il n'y a plus de nacre. Hein. Aujourd'hui, il achète ses nacres sur l'atoll de Katiou. Takaroa, c'était, comme ils appellent, le pou. C'est d'ici que toutes les nacres, la plupart, la grande majorité des nacres sortaient pour refournir toutes les îles qui faisaient de la peine. Et oui, c'est vrai, c'est un comble que maintenant on soit obligé d'aller chercher des nacres ailleurs. Il y a peut-être une solution, mais qui coûterait assez cher au gouvernement. À Takaroa, la passe, elle est petite. Mais par contre, nous avons un grand nombre de hoa. Les hoa, ce sont des chenaux qui font rentrer tout l'oxygène, les phytoplanctons du large. Mais au fil des années, tous ces chenaux sont obstrués par du sable, par du gravat. Ce qui fait en sorte que le lagon n'est plus oxygéné. Et donc, quand il n'y a plus d'oxygène, quand il n'y a plus de phytoplancton, tout meurt. Il faudrait creuser, donc il faudrait curer ces hoas. Ah, tout à fait. C'est d'ailleurs une demande de notre Tawana auprès du ministère de l'Équipement qu'il faut absolument qu'on cure les hoas. En attendant, le bon sens Pomotou l'emporte sur la panique. Onotiga fait le gros dos et attend des jours meilleurs. Quand tu entends les vieux du village, ils disent dans les années 80, c'était la même chose, 70, mais c'était pire à l'époque parce qu'il y avait des mortalités de parua, de troca. Là, en ce moment, c'est que les nacres. Bon, mais c'est grave, c'est malheureux parce que c'est notre activité principale, c'est une passion, la nacre, la pelle et tout. Et bon, il faut espérer, il faut être optimiste. Alors, algues tueuses, réchauffement climatique ou cycle naturel, quoi qu'il en soit, Takaroa n'est plus dans ces temps où l'argent coulait à flot grâce à la perle.